Désir Venesse et Zami Eternout Nouyo, laissez-moi dire que le Conseil présidentiel transition ça, il déjà prend toute disposition pour révoquer gouvernement Gary Conny. T'as bien samedi, hein? Et pas révoquer Gary Conny seulement, non? Eh bien, Conseil présidentiel transition qui a pété ça. Avec trois conseils qui nous connaissent aussi dans le scandale corruption, BNC 100 millions de gouttes, qui c'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Ventiler, Smith Augustin, Nekjo Geta prend toute disposition, parce que nous connaissons neuf conseils, il y a 7 qui ont droit de vote et il y a 2 observateurs. Même conseil qui n'a pas droit de vote, yo, qui c'est Régine Abraham, mettez avec Frinel Joseph, ils ont tous tombé d'accord pour que yo signe une résolution, pour yo signe un document, pour yo révoquer Gary Conny. Et révoquer Gary Conny, c'est révoquer gouvernement, c'est craser le gouvernement. Ça veut dire que toute disposition qu'a prend là, et n'est que clair, si que Gary Conny pas accepté pour yo passer main dans le gouvernement, et pour yon révoquer, ministre que n'est que besoin révoquer yo, eh bien, c'est tout gouvernement que KP été révoqué, a pour éjeter. Je dis en question à poser, qui est-ce qui va y droit? Bien que c'est vrai, c'est KP été nommé Gary Conny, ok? Mais KP été a droit pour être capable de révoquer Gary Conny tout, selon analyse. Mais écoute, ça, vous comprenez, je dis, hein? Et si nous chita soubas récile, là, t'es bien, puisque. Et KPT a dit qu'il n'est pas satisfait de travailler avec le gouvernement. Vous la croyez même? Mais Kounia, est-ce que c'est seulement le gouvernement qui n'a pas de résultat? Est-ce que ni gouvernement, ni KPT n'a pas de résultat? Parce que c'est deux têtes exécutives qui oui. Il dit, ou pas qu'à critiquer le gouvernement et alors que ou laisser aller par les conseillers. Il dit, ni conseil ni gouvernement, ils ont tous les deux. Il y a tous les deux échoués dans le moment. Parce que pas de yon, que nous avons un résultat là. Mais Kounia, moun kap observe, moun kap suive, il y a plus que KPT, et pas que son pays l'a réglé, mais c'est que son poste ministériel. Moun kap gade et moun kap observe tout, il y a un Gary Conny, et pas cause pays vin réglé, mais c'est cause bagage médiatique, montrer si, montrer ça, montrer la fesse le bord, alors que réalité et problème n'a toujours été en entier. Et c'est là, et ça fait, il y a des gens qui disent que ni KPT, ni Conny, mais ils ont tous les débats réglés en un sérieux, mais avec la police lui-même qui a fait démagogie, et la mère fait démagogie, et Miss a fait démagogie. Donc je dis, peuple haïtien comprend que, pas gagné aucun nom qui l'a eu, qu'il y a les autorités qui travaillent dans l'intérêt, peuple haïtien des Ivenes. La citation, c'est tête qui est québécois. Ou t'es pas toi tête la petit 8, mais c'est les québécois. Si tête la pague bon gens et support, ou bien si tête la pague bon gens assise, eh bien, quoi pas en équilibre. Je dis, si pays a mal marché, si la police pas fonctionné, si l'armée pas fonctionné, si ensemble, ministère pas fonctionné, on nous dit c'est tête là qui pas bon. Qui est-ce qui tête là? Je dis, il y a le premier ministre, Dr. Gary Conny, il y a conseiller présidentiel, il y a tous ces missionnaires qui y a. Pour nous, les Haïtiens, il y a mal agi. Pour la communauté internationale, c'est perfect, c'est parfait, ça y a fait là, les personnes. Parce que c'est un vaste plan, un vaste complot, qui a divers plans là-dedans. Il y a avancé là-dedans, marche par marche, étape par étape, tant que Jean-Blanc t'a dit, step by step. Aïe, blanc, parler avec, blanc, dit, pas pressé, monsieur. N'a fait step by step, nous pas pressé. Et chaque tête est fait, non, je nous comme peuple, nous estimons qu'il n'est pas bon. Blanc dit au good job. Je dis un massacre a fait, mon a perdu la vie. Bandi a annoncé massacre a fait. Ok? La police pas prend dispositif, CSPN pas décidé. Mais pour Blanc, c'est good job. Parce que la vend plus d'armes, la vend plus munitions et la vend plus territoire. La vend plus temps pour faire plus l'argent avec le pays d'Haïti. C'est ça qu'a fait là. Nous besoin comprendre. Nous gratis, nous traversons la rue pour contre nous, nous mangeons pour contre nous, nous boire pour contre nous. Descend 20 l'année. Indépendant, il n'y a pas un jouet. Nous devons comprendre ça, je veux dire. Blaise Peterson, tout ça qu'il a fait là, n'est que théâtre. Conseil présidentiel, il n'y a pas plus bien placé parce que ça. Puis il a retiré Gary Conny dans le gouvernement. Mais il a plutôt abjuré l'opinion publique. Retiré Gary Conny, Blaise Peterson, selon l'accord 3 avril, c'est tout n'est que pralé.
C'est vrai, c'est nègre qui a voté Gary Conny. Mais pas oublier Gary Conny, c'est grand patron de Gary Conny. C'est organisme régional qui mettait conseil présidentiel transition. Donc tout ça, moi-même, au contraire, ça fait mal, c'est parce que moi, pas ouais intérêt pays d'Haïti là-dedans. Ok? Mm-hmm. Sinon, le crime, ce qu'il a eu à faire là, neuf conseils présidentiels, ensemble, ministre qu'il a eu. C'est eux-mêmes qui t'a victime dans le massacre. C'est eux-mêmes petit qui battent à l'école. M'a dit, je m'en fous, pas de problème quitter le marché. Mais je veux dire, c'est peuple haïtien qui a victime. Nous ne pas quitter le bagarre comme ça. La police rivait cabaret, Blaise Tesson. Non, moins que 24 heures, ils ont fait une vidéo pour montrer qu'ils ont récupéré le commissariat cabaret. Quelques heures plus tard, IVD, Unité Village de Dieu, en uniforme, et Blaise Tesson. Ou est-ce que ça a dans IVDA? Nexa recevoir formation académique, oui. Campé Nexa yo, protézam Nexa yo. C'est pas n'importe si bon dia sa patte, non? Exact. Positionnement Nexa Blaise. Même Nexa qui avait massacre crasé, mirage commissariat. Où est son Nexa? Son professionnel, oui. Non, question zam, oui. Mm-hmm. Position mettez zam nan, niveau que la pleve mato qui nan men la. Et c'est à comparer vidéo yo, quand on te ouais, agent soit yo, t'as crasé mi. Nexa qui a fait pénétration dans Grecier. Exact. Ouais, ouais, même posture. Ça veut dire, moi, je suis très douté. Ce n'est pas même formateur qui a fait formation pour unité de l'élite qui est dans la police. Est-ce que ce n'est pas même lui-même qui a fait formation pour gagner dans le pays? Il va oublier Dimitri Hera, tout, non? Dimitri Hera, son moins que rien. Oui, Dimitri Hera qui a fait formation pour lui. Est-ce que même les qui dans l'ambassade américaine, l'ambassade du Canada, l'ambassade de la France, qui a fait formation pour la police nationale, là, surtout unité de l'élite, est-ce qu'il n'a pas fait formation pour gagner dans le pays? Ça qui a passé à Blaise, il est très douteux et très maléfique. Faut que nous prenions position. Est-ce que nous avons des couilles pour faire ça? Je dis non, nous n'avons pas de chromosomes, nous n'avons pas de couilles, nous n'avons pas de café. Et ensemble, questionnement qui a fait là, nous n'avons pas de couilles dans le conseil présidentiel, nous n'avons pas de café. Nous n'avons pas de ministre, nous n'avons pas de café. Parce que nous sommes attachés avec job. Je dis en pile, nous sommes sensibles. Chaque nègre là, essaie de blanc par eux. Pour essayer de assurer ou de faire des places. Chaque nègre a des blancs par eux. Parce que chaque nègre a un groupe blanc dans deux. Ou pas, il y a un nègre sensible pour voyage. Ça qui passe dans le pays, c'est sensibilité pour visa, sensibilité pour résidence. Parce que, en pile, il y a qui ministre, qui président, c'est résident des États-Unis d'Amérique. Exact. Il y a quel intérêt dans le pays, non? Il y a continué à gommer. Quand vous attendez, comme ce sont des esclaves. OK? Esclaves à talent, esclaves avancés, mettre la dit la fond paraître. CARICOM, essayez de demander pour mettre de dans divin. Parce que c'est avec CARICOM qui vous avez servi pour vous mettre au côté. Oui, là. Est-ce qu'il y a tant de la raison? Et ce n'est pas la première fois que CARICOM parle de ça. Ou elle n'est pas, ouais, il n'y a pas attendu, il continue à avancer, il continue à faire bêtises, il continue à faire tête pendant que tout le monde n'est pas à l'école. Je dis, on ne pas poser tête aux questions. Timoun Solino, Timoun Akaye, Timoun Delma 24, Timoun Ponsonde. Est-ce que tout le monde sait à l'école? Lester, meilleur était annoncé d'après le fond massacre dans la commune Lester. Je veux dire, c'est grâce avec vigilance population qui même pas fait massacre hier dans la commune Lester. Et qui a pile cause qui a parlé sur les oies. Contactez magistrat Lester, nous pouvons joindre information dans le mail. Mais qui information, selon ça, nous, ouais, plusieurs médias publiés, t'as divers pour nous qui victimes dans la commune Lester. Qui ça cause? Les actions bandits ont prédit, ils ont annoncé et puis ils ont fait facile qu'on s'appelle la situation. Nous t'avons posé cette question. Nous t'avons dit tête ton bagay. Qui ça qui la cause? Est-ce qu'elle pas gon mais caché d'elle? Je dis en Blaise personne. Après conférence, COP 16, que Leslie Voltaire t'a participé, il fait quoi qu'elle te gagne, il y a une rencontre qui est importante tout le temps. Toutefois qu'elle est sortie, il y a tout le temps dit qu'elle a une rencontre importante. Rencontre importante qui ça a opoté. Exactement, résultat. Qui ça a opoté? Négocier charabia, parler toute journée, si vous te faire rencontre si, il y a fait propagande. Il y a des gens qui ont écrit pour eux sur toute plateforme réseau social. Ils ont été rencontrés avec Antonio Guterres. Qui est Antonio Guterres à côté? Parce que Antonio Guterres, pour côté de blablabla, il a dit que ce n'est pas normal, il a besoin de 600 millions de dollars pour question de mission, pour question de pays, les guerres, les bails, les paris, les paris, les bails. Qui est-ce qui fait? Leslie Voltaire a fait une tétinade pour passer mon nom tété quand il a demandé des personnes pour eux transformer. Mission multinationale, une mission métier de la paix. Nizor et mon ambassadeur toujours. Divers monde, la situation qui gagne connaissance dans relations internationales. Divers diplomates disent ça est impossible parce que l'Assemblée a décidé sur question ça déjà. Non, mais ce qu'on moi,
Nègre pour yon kawe, pour moun kawe qui a parlé, pour yon kawe qui a défendu pour yon fait temps passé, et bien yon arrangé, yon renouvelé ou fait même demande. Pendant République Dominicaine, même il continue à frapper. Président Dominicain, Luis Abinadel, dit pas d'intention, pas autorisation pour reprendre vol entre République d'Haïti et République Dominicaine. C'est ça, chef gouvernement dominicain dit, chef l'État a dit. Parce que li tout le temps, ça qui a passé dans le pays d'Haïti, yon pas amélioré, yon pas pour espace, frère. Pour bay avion vin atterri, selon li sa ka polye espace li a. Non sa pa ki sot passe la, selon Nations Unies, ki a radote, mou ta ka di sou moun, parce que OIM, c'est yon organisme non gouvernemental américain, ou bien international, ki di se plus passe 21,710 moun, ki kou ekite ka yo. Nan pil moun sa yo, pa yon bese kebe yon pilou, ki yon pa gede nouveau bandi la de oblez. Parce que, yon pral nan abri yo, yon pral nan kan yo, yon pral fin assistance assez. Bagala très difficile pour les personnes. Deuxième, moi c'est que nous allons venir avec des réactions surtout avec ton Nessi Maniga qui est chef cabinet PM Gary Kouni. Et monsieur, c'est comme quoi monsieur t'a expliqué et côté vrai problème qui existait entre Capeta avec Gary Kouni dans sorti. OK. Et monsieur montré tout comment que PM n'a quand même était peut-être minimisé et ça gueule comme situation. Nous allons venir avec ça comme déclaration. Et sans oublier Coupier Espérance, les mêmes défenseurs des droits humains, qui parlent concernant trois conseillers présidents que nous avons cité dans ce cas de la corruption. Et je dis en juge à Félix Mébéjamin, invité et déjà ancien président de l'administration BNC à Raoul Pascal Pierre-Louis. Il invité tout et Lucien Algiles. Mais ouais, et avocat Emmanuel Vertil et Guerbi Guerrier, limité en quoi pour que client là, Emmanuel Vertilaire, pour pas à répondre question juge Benjamin Félixmé. Il clairement dit avec juge Benjamin Félixmé, il pas de compétence pour ça. D'ailleurs, c'est un recours de justice qui t'a dû attendre et conseiller ça yo parce que yo gagné ça relé attribution président. Là je dis hein, bagarre très compliqué. Est-ce que le général Gilles pralé ou pas, nous pas connaît. Est-ce que les juges a invité Emmanuel Vertilaire? Le juge a dit obligé aller, il est obligé aller Blaise parce que c'était eux-mêmes qui étaient décidé à faire enquêter ILCC autant de ILCC et produit un rapport, lui mandé mettre action publique en mouvement. C'est nèg qui a commencé processus ça. Ça quelqu'un dit nèg pas sérieux. Depuis nèg qui était descendre dans ILCC pour faire enquêter autant de yo, yo était doué démissionner parce que yo montré des pas de faiblesse parce que connaît c'est votre coup de justice qui t'a doué tant de yo qui siégeait entre le parlement. C'est le Parlement, chambre basse et chambre haute, qui constitue votre cour de justice. N'est-ce pas oublié ça? N'est-ce pas peut-être aller dans le piège? Que n'est-ce pas préparé pour y aller devant la justice, pour la justice dans les situations? Je n'ai pas oublié que n'est-ce pas fait ça dans l'esprit de corps désir. N'est-ce pas fait esprit de corps? L'homme dit esprit de corps, ça me le dit pas là. C'est que n'est-ce pas fait un jeu là pour que, et si le GHG l'aller, l'autre n'est-ce pas aller. Et si le GHG pas aller, l'autre de n'est-ce pas doit aller. Ben là, c'est éclair désir. On nous comprend, non? Si deux nèg yo, si le GHG l'aller, l'autre deux conseillers doivent aller. Et si le GHG pas aller, eh bien, l'autre conseiller va devoir aller. Alors, conseiller qui est impliqué, oui, à bien dire. Donc, c'est ça, bagala est là. Mais, Kounia, l'autre, on est encore Liné Balthazar, dirigeant PHTK, et monsieur dit, le fait que Kounia est dossier nommé la justice, et la justice invite nèg yo, mais tous les trois conseillers, c'est des inculpés, c'est des accusés. Donc, je dis, hein, le fait que c'est des accusés, c'est des inculpés, il y a pas digne que tu es capable dans conseil présidentiel transition hein. Et je dis hein, mais c'est même conseil ça yo qui je dis a déjà signé en a dit résolution pour révoquer Ariel et Gary Kouni. Kouni en nous regarder est-ce que Kouni a en dit révoquer Gary Kouni? C'est vrai tout monde en plus monde d'accord que Gary Kouni jusqu'à présent là ouais et pas comme si et ça le dit yo pour qu'on t'a fait vraiment mais est-ce que c'est pas à recommencer encore? Et parce que révoquer Gary Kouni, c'est pral, et on dit consulter ensemble de acteurs politiques pour jeune qui est-ce qui va venir premier ministre, et Kouni a chouchoua premier ministre, nan, et travail Kouni a pour qui est-ce qui va venir ministre, nan, ministériel, tout ça pral mandé ensemble de temps dans intervalle 2, 3, 4, 5 mois. Kouni a nego même, il pense que n'est pas 2, 3, 4, 5 ans au gué devant eux, il a fait temps passé, Kouni a laissé 7 février 2026 arrivé, Kouni a dit bon, ou qu'on est, il a été changé de gouvernement, et ça te prend petit temps, puis il a été fait ci, puis il a été fait ça ou on dit nèg yo a joué sous ensemble de crise qui vient là nèg a provoqué crise là que yo était déjà créé comme parti politique comme des secteurs de société hein dans armée jeune garçon dans pays hein
OK, n'a créé ça là comme situation, qu'il y a yo veut que pour à la fois et créer et bénéficier de lui encore. Pendant ces temps, mon a mouri, mon a couru par ci par là, en babal bandit, en babal assassin, qui donc je dis hein, essayer comprendre, essayer garder ça là comme réalité des jeunesse. Mais j'aime dire désir. Et soit pas ajouté, on met ajouté parce que je vais venir avec Nesli Maniga, qui est chef cabinet PM Ariel et Gary Kouning, qui a parlé concernant le dossier qui est pour avec, et ça a mené bataille qui est là comme gourmet entre Gary Kouning et puis Map Kapeteo. La situation, les ou la façon, ou bien les gens arrangent quand même, pour rejoindre entre eux, ou bien la population haïtienne prend responsabilité pour destituer tout l'exemple. Nous voulons que tout le monde comprenne. Nous sommes obligés de jouer une entente entre eux qui permet que vous fassiez mascarade, que les transitions les respecter pour le bail résultat sans doute que tout le monde souhaite ou bien peuple haïtien arrangé le destitué. Moi, beaucoup de gens qui comprennent, est-ce que c'est haïtien qui arrive dans le niveau, dans la dimension côté lâche comme ça? Il y a un groupe qui arrange, il est rentré dans un vaste complot pour assassiner petit non, pour décapitaliser et puis nous brancher dans le gardien. Yo kembe nan yo nan role yo continue à prendre décision pour nous nous pas tête moyen je dis et si moi que wa investir là-dedans wa goumer pour venir quelque chose dans la société eh bien pita la bra d'accord quel dieu c'est Emmanuel Ventilier qui modèle c'est Smith Augustin qui modèle c'est lui Gérard Gilles qui modèle dans qui ça dans role je dis hein quel te barbecue quel te iso quel te la moisson jour et quel te Jeff Canaan quel te Luxon Elan quel te meilleur dans coco à sa la tibonite et bien next ayo tant que tout temps dit yo pas plus gros voler c'est nèg qui a cravate qui dans l'état geti voler que nous demander touye gen gros voler que nous pas demander touye m'a tande arabe qui al wana met bless personne dans espace côté ou té arrêté citoyen que les boakale qui a travaillé dans zone dans les zones franches pour ça que ou arrêté arabe parti avec bot dans ce sénateur yo la tortue. Si il y a prêt les il a tortu sénateur et bien et barbecue qui ça barbecue lui-même parce que c'est nèg qui arrange qui gâte tout pays là dans distribuer armes et je dis nèg a tenté réparer conclusion rapport groupe expert nations unies lui met un diary dans l'aria malgré le passé moi barbecue réagit sur lui barbecue dit 90% ça a dit dans rapport enquête là c'est menti parce que et rapport enquête ça yo indexé Guy Philippe là-dedans. Pour dire que c'est Guy Philippe qui d'ailleurs vivent ensemble, il a questionné Agent Bessap qui côté Eugène Zam. Mais, après, on a dit, si n'est que sérieux, qui côté Guy Philippe t'es, dans le moment Genève en famille allié? Qui côté Guy Philippe t'es, dans le moment vivant ensemble? Est-ce que Guy Philippe t'es consorti dans la prison? Qui rapport qui peut-être quelqu'un a bien? Et barbecue dit, lui-même, l'a fait bataille pâle, Guy Philippe a fait bataille pâle. Est-ce que nous comprenons? Je veux dire, nous avons pays qui a essayé d'entraîner les bagailles pour bouiller toute puissance qui permet que nous avancions pour chercher résolution avec le problème. Et nous avons un peuple qui a gardé, qui a remis le grain dans le monde, ou la réclamer de l'oual, ou la faire défensive. Net, ça n'a pas plus mauvais passé nous. Il n'y a pas plus mauvais passé nous, nous-mêmes qui c'est peuple. C'est pas tout, ouais, utiliser la police comme milice. Je veux dire, cap couille pour deux, trois, tibans, dire ça, parce qu'il n'y a pas même une formation académique, mais pour c'est nous-mêmes. Nous devons mettre 10 000, 30 000, 40 000 dans l'arrière, nous devons manifester pacifiquement, nous ne pas un homme qui représente le danger. Il y a tout le gaz lacrymogène, il y a ban ou bâton, il y a tiré balle derrière nous. Même parce que nous devons prendre responsabilité pour nous rendre que le pays a pour ça qui avant. Parce que vagabond ça, qui est le pouvoir là, c'est pion, l'Occident qui est, c'est jouet l'Occident qui a joué. Tout le temps que plus nous mourir, il est plus bon pour l'Occident a préjugé la situation. On en vient avec Nesli Maniga, j'en dis un chef cabinet PM Gary Kouning, monsieur qui parle sous conflit qui gagne entre KPT et puis PM, non? L'État répond une question qu'on ferait dans Magique 9 et monsieur Panel Magique. En dedans de monsieur, moi, désir faire entrer sorti des parties que monsieur dit qui méritait intervention, non, analyse, compréhension, non, l'appel des Evenes. Bonjour Maniga, bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour, ma salue de panel là, ma salue toute auditrice, auditeur et internaute qui a côté tout à tout à travers le monde. Merci. On va regarder plusieurs points, notamment la situation actuellement là. Et nous allons regarder tout le fonctionnement du gouvernement et relation avec CPT, pendant que CPT, hein, et CPT lui-même, l'inonge doit être 17 longueurs sous la situation est là. Pour le CPT, c'est comme d'habitude, le gouvernement n'imprime pas. C'est nous-mêmes, c'est le gouvernement qui est responsable de la situation.
nous parlons ça ensemble avec vous. Mais, moi, Vimando, qui est un gouvernement dont on a parlé là? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité pour bailler justement au gouvernement et puis moi-même comme directeur cabinet Premier ministre, Dr. Gary Conille, pour nous capables de faire le point sous conjoncture là, parce que ça fait partie de. C'est directeur cabinet. Et rendre compte. Vas-y, désir. Même c'est directeur cabinet. Il y a chef cabinet. Oh, et ça, c'est PHT qui a dirigé à l'aise. Chef cabinet, mais c'est oui. Bon. Ça fait partie de responsabilité et transparence. Et c'est normal pour de temps en temps, le gouvernement vient expliquer qui côté ligne feuille de route gouvernement. Son gouvernement qui montait dans mois âgé. Et le professeur Nice Maniga, qui est directeur cabinet, Jean Lacababdi, et chef cabinet PM Gary Conille, et qui c'est nous connaît, qui c'est lui-même, te joindre bénédiction et KPT à lui-même, ok? Et nous allons regarder ça avec PM Gary Conille. Pardon, chef cabinet, qui c'est Nice Maniga, m'a dit, mais moi connaît. Ça, quand toujours arrivé tantôt, parce qu'on connaît. On est venu avec Nice Maniga. Qui montait dans mois âgé, 2024, la période de 4 mois, son gouvernement qui a 14 ministres là-dedans, son gouvernement que le Premier ministre avec CPTA, non souci de ne pas perdre du temps, t'es monté pratiquement dans moins que 1 semaine. Et c'est comme ça, le Premier ministre, il a décidé pour ne pas perdre du temps, parce que la situation, c'est une crise nouillée, parce que vraie crise là, selon le Premier ministre français, attaquer le dossier sécurité, résoudre le problème sécurité. Vraie crise là, c'est résoudre la crise humanitaire. Là. Question gouvernance là, sont questions qu'il a en support, mais ce n'est pas lui le problème là. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas perdu du temps. Il a accepté que le secteur, dans l'esprit de collaboration, sur 14 ministres qu'il a nous dit, tu vas 10 ministres. Et c'est à cause ça, il est inspiré du texte à 4 avril là, qui fait le gouvernement gagner. 4 mois depuis la fonctionner, et nos esprits de collaboration, tout, pour nous capables de dire, gouvernement, avec CPTA, mettait en place 2 budgets. Un budget rectificatif, qui était pratiquement fait très bon, il était 3 mois pour l'exercice fiscal l'a fini, et dès mois juillet, gouvernement, il était en bas chaque ministre en feuille de route. Mais août, un budget rectificatif était disponible, il faut un conseil des ministres. Même là, malheureusement, ministre, c'est un mois où tu as gagné pour exécuter feuille de route, ça, fiscalement parlant. Donc, nous allons parler de mois de septembre. Et puis, rapidement, Premier ministre, mission avec CPTA, ils mettaient d'accord sur le budget exercice 2024-2025, qui a gagné la donne, expression que feuille de route a gagné, instruction que le Premier ministre a bail pour que priorité, c'est sécurité, budget de l'armée va augmenter de plus de 400%. Budget ministère de justice, budget sécurité va augmenter globalement tout de plus de 33%. Et puis le secteur humanitaire qui a pris une crise sociale va augmenter tout. En particulier, on va regarder qui vient, ministère et éducation, ils sont gros motos. L'autre ministère qui a charrié question qui vient pour avec crise là, avec culture, on a parlé de ni ça vient pour avec travaux publics, ni ça vient pour avec en valeur absolue. Par rapport à côté, par rapport à ça, on a exécuté dans 23-24 là, on va l'augmenter en 24-25. Donc, ça va être très important pour considérer ça, naturellement. Et ça, c'est progrès. En plus, il faut regarder ça qui est difficile, mais il faut regarder ça qui est fait. En ça qui fait, il y a deux budgets votés, deux budgets en exécution, même si, il faut le dire tout, le ministre dit deux graines de mois seulement au gain depuis, avec exécuté financièrement, fiscalement, un mois pour le budget rectificatif là, et un mois pour ce début de l'exercice. C'est là le gouvernement. Feuille de route très clair sur 5 chantiers de transition qui sont dans l'accord là. C'est sécurité, 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 qui c'est le premier bagage. Et là, priorité gouvernement, d'ailleurs, ouais, que le Premier ministre a avancé plusieurs fois, c'est commencer avec le recrutement de jeunes femmes, jeunes garçons dans la police, dans l'armée. Le recrutement, pour non seulement, qui peut commencer à passer de l'exercice ça, de 10 000 jeunes tout, dans le secteur qui pille, d'accord, porteur de l'autre partie résilience pays, hein, qui c'est éducation, qui c'est santé, ainsi de suite. Et puis, c'est mettre en place programme social, là, à travers le ministère des Affaires sociales, qui a un gros projet subvention, qui est là dans, comme secteur qui bénéficie de l'égrement, qui a un ministère de l'éducation nationale, travaux publics, avec environnement, qui a un dossier qui est pour avec assainissement.
C'est là nous aujourd'hui et tout effort gouvernement, c'est sous sécurité à que lié en particulier. OK. Nous donnez où ou clairement souligné que ces 14 ministres qui en poste et ce 14 ministres 10 sortis dans le conseil présidentiel là. Mais je vais parler à là, M. Maniga, donc après c'est chef cabinet premier ministre. Je vais parler à là, quand on a dit gouvernement fait tout ça, il était gagné humainement pour le faire, il fait. Mais constat, c'est que bah, elle a bloqué quelque part. Qui compte le bloquer là? Qui fait qu'il y a beaucoup de résultats 4 mois après, gouvernement? Bon, oui, qui est-ce là qu'on est à côté de problème? Parce que si Jean. C'est pas blé, bien désir. Elle dit, secteur, dans 14 ministères, là, il y a tout secteur connecté qui est dans le KPTA, tout voyé ministre. Là, il faut comprendre, si il y a échec de gouvernement, c'est échec secteur, c'est échec KPTA en tout. Et là, pour moi, je comprends ça. Elle dit, échec gouvernement, c'est échec KPTA, c'est échec secteur qui est voyé ministre. Parce que c'est parce que 10 ministres qui sont dans le gouvernement, 14 ministres gouvernement économique, mais que 10 dans yo, c'est de monde qui sont dans des secteurs dans le pays, de partis politiques, et c'est de membres dans le c'est de partis inscriptifs, mais secteur qui est voyé ministre dans le KPTA, c'est eux-mêmes tout qui voyé ministre en dedans et gouvernement. Dans votre bagage des yeux. Oui, mais c'est chèque tout nèg yo. Moi-même, ça ne m'a pas compris. Je ne sais pas si après tout le monde pour égarer. Il a dit que le gouvernement n'est pas bas résultat. Ou bien il n'a pas respecté ça. Mais est-ce que vous n'avez pas une responsabilité tout yo-même? Parce que pour te monter le gouvernement, nous chaque nous te contenter de bailler au ministre. Ça a un ministère, agriculture, ministère, finance, ministère, et ceci, ministère, cela. Non, mais vous continuez à régler à faire par eux. Nèg a préparé l'argent pour y a fait élection bonne maintenant et puis on dit un pour peuple je dis qu'il a passé mon dans bêtise pour faire temps passer mais c'est temps que nèg veut faire passer c'est jouer communauté internationale la cap toujours pas que même m'a garder peuple là non pour veut comprendre est-ce que il y a d'accord qui te ça cap passer à la pour arriver dans dimanche côté au bras là vers la blesse on avance avec Ismaniga elle a bloqué quelque part qui compte le bloquer là qui fait qu'une beaucoup carré résultat 4 mois après gouvernement bon m'a rappelé. Et ça que le Premier ministre dit souvent, Dr. Gary Conin, l'idée avant de venir, la crise là était totalement sous-évaluée, sous-estimée en grande partie par les acteurs haïtiens en place et par la communauté internationale. Crise a été tellement sous-estimée, sous-évaluée par la communauté internationale là, par les acteurs haïtiens, d'ailleurs, ouais, avec un pile pudeur, nous parler de force internationale qui vient d'elle. Nous avons préféré choisir nos missions, nous avons en mission d'appui à la police, l'armée pas fait partie là-dedans, parce que nous n'avons pas réalisé jusqu'à quel point effectivement, profondeur crise là, que ce soit par non seulement force de frappe, force de feu, que nous avons dit, nous avons pas de bandits en particulier, mais non seulement par quel niveau ressources, quel niveau l'argent qui était besoin pour supporter. Même mission la paix ça, même mission qui est venue pour supporter la police. Je tiens, avec la police qui est allée dans le contre international, à Washington, à New York, au Kenya, rencontrant pile acteurs pour expliquer que crise ça, y a été sous-estimé, crise ça, y a été mal évalué. D'ailleurs, ouais, je tiens, avec qui empressement, la communauté internationale là, a réalisé ça, qui fait que le peuple même aller commencer à faire plaidoyer pour une mission de maintien de la paix des Nations Unies, bien sûr, qui part même ça n'était guère, qui évoluait, en façon pour nous capables de gagner l'autre type d'équipement, l'autre type de force qui accompagnait le ça. Nous ne pouvons pas uniquement parler de mission comme telle, avec des possibilités de ça, où l'État membre est capable de mettre plus de moyens, plus d'argent, et puis moyen et tout. Moyen, nous avons dit, ça, mission, tout qui permet de le plus vite. Donc ça, c'est pour partie, qui fait que dans 4 mois, ça y est, sous-évaluation, sous-estimation de crise, ça, avant pour l'instant de venir, que la PC rectifie à travers toute intervention la fait au niveau international, tout voyage la fait au niveau international, on a le plus vite. Mais ceci dit, 4 mois ça, pour la population, c'est 4 ans. Parce que c'est une passant. Quel temps a souffri, et seule sa population peut attendre aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas qu'une crise qui vient de CPT avec Mathieu, parce que quand pile fois, c'est crise de passage, il a dit oui. Crise là, c'est bon, crise ni humainement, ni pas humainement, crise là, c'est une sécurité. Population, pas, c'est pas ça qui intéresse la population. La population besoin, je vous dis, moi-même, qui agit en tant que porte-parole pour les ministres, porte-parole gouvernement, en ma qualité de chef de cabinet. Ça, le besoin, attendez, c'est qui joue qui l'a pouvoir au sud, qui joue qui l'a pouvoir au nord, qui joue qui l'a pouvoir tourner la caille. Si nous n'avons pas de réponse à ça, toutes les paroles ne sont pas intéressées, on est d'accord avec. Comme citoyen,
vous avez demandé plus toujours. Et vous comprenez que vous êtes exigeant. Vous comprenez que l'émission, ce n'est pas ça qui intéresse. Il y a tant de jours, il y a tant de l'heure pour vous tourner la caille. Mais, malheureusement, 4 mois, tout ça fait 4 ans, c'est 4 mois pour mon ton gouvernement, même les a fait très rapidement, 4 mois pour faire budget, 4 mois pour bailler moyen, 4 mois pour commencer à changer stratégie hein, okay. Pour que les plus adaptés à la conjoncture. Situation pays a été sous-évaluée, sous-estimée, c'est ce que je dis là. Maintenant, nous faisons une nouvelle évaluation. Et je suppose que nous portons l'Iba équipe de droit dans la communauté internationale là. Et puisque si nous comprenons bien, réponse à Bay là, qui fait que le gouvernement pour qu'on a imprimé et après 4 mois que nous avons dirigé, c'est parce que ça nous dépensait, c'est parce que ça nous joint en termes de problèmes de sécurité et problèmes économiques. Qu'on a nous fait évaluation, nous connaissons la réalité là. Nous, bah, les, bah, qui est-ce, nous, bah, une nouvelle évaluation, ça, et qui promet ce qui fait là, à gouvernement, pour que, vos réponses qui baillent à nouvelle évaluation, ça nous fait des réalités pays, là. M'a dit deux bagages. Premier, ça va attendre évaluation pour la GIP. Premier, ça va attendre mission, éventuellement, s'il a changé, parce que le président Voltaire mentait ça formellement, à la communauté internationale, là, pour transformer ça en l'autre type de mission. Mais, premier, ça va attendre. Et le bail tout ministère d'instruction, c'est pas parce que nous pouvons joindre tout moyen, d'ailleurs, ou capable, combien ça fait déjà, avant qu'ils soient évaluation, c'est propre évaluation pas nous, qui fait que nous avons l'autre forme budget, qui fait qu'on augmentation dans différents secteurs clés, justice, qui gagne la donne, sécurité publique, la police, l'armée, qui vient d'où il y a plus moyen, moyen humain, et ils ont un cap fait là, qui commençait déjà. Nous partons, il y a beaucoup de monde qui commençait déjà, des dispositions qui prend déjà pour que le ministère ça ait plus moins financier dans mais naturellement il y a l'autre problème qui était pour résoudre nous pas tant d'évaluation ça gouvernement commencer à agir dans ce sens maintenant l'homme dit agir population va dire pas ouais en pile bail cap fait à terre aujourd'hui c'est très clair par exemple cashback 3% on dining et on avait avancé avec toujours avec Anessi Maniga puisque les mêmes lycées et chef cabinet PM Gary Conny n'a regardé ça avec lui n'a continué garder ça avec lui et on continue garder avec PM avec chef cabinet PM non et vraiment je dis à monsieur bien content monsieur qu'on est tout et pas en question des batailles remaniement dans le gouvernement qui était ici population ça qui c'est là ces questions et résultat question insécurité ça qu'annonce pour entrer l'école là. En plus, les parents commencent à se joindre déjà et nous capables d'interviewer le ministre de l'Éducation nationale. Là, on a parlé exactement qui quantité parents commencent à se joindre ça déjà. L'un a parlé avec le ministre des Affaires sociales là, on a vu exactement combien d'activités qu'a fait concrètement sur le terrain. Naturellement, lors de nos situations de désastre humanitaire, ça qu'a fait là, on a pas pris pile temps pour le visible. Parce que c'est pas parce que 10, 15, 20, 30, 40 parents recevoir, c'est pas parce que quelques communautés commencent à recevoir soutien. Ou après, visiblement ça, parce qu'en réalité, nous n'avons pas retourné la caillou. En réalité, quand il y a un camp de déplacer qui toujours été dans la même place, parce que la situation, ça y est, et c'est capable de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a moyen en Conseil des ministres, le ministre, Dr. Gary Conny, a dit, il voulait la situation à plus vite, plus bien, et c'est dans le mécanisme, 4 mois ça, que nous avons essayé, fait ça que vous avez fait. Sous cette situation sécuritaire, la police a fait face. Et l'armée a une situation que c'est peut-être pour une fois faire face à lui. C'est 5 ou 6 fois en même temps qu'il a résisté pour la bagarre la plus grave. Que ce soit situation propre au prince, que ce soit sa privé et dans la Tibonite, que ce soit sa privé Grissier, sa privé Quadabouquet, sa privé dans la zone Solinois, c'est plusieurs fois en même temps que la police a résisté pour que situation tombe en attendant qu'il y ait plus moyens qui sont déployés. C'est l'année. Et en plus, moi-même, capable de dire, moi, j'ai chance de rencontrer un pile héros, un pile héroïne. Chaque fois, je regarde dans quelles conditions policiers ont mouru, songez trois policiers UTAG, qui malheureusement ont disparu, qui perdent du vie. Pour une soeur être en contact avec veuve, qui ont accouché l'autre jour. C'est des situations humaines que pendant, nous comprenons que nous manquons, ouais, ça nous est, un pile héros qui a boumé. C'est pas facile, je pense à eux. Donc, c'est là, aujourd'hui, hein, et je pense que, gain plus parler avec l'émission après expliquer exactement côté oui 4 mois après je suppose que nous parlons d'évaluation encore et évaluation ta supposé fini et pour nous agir et on se reconnaître que population et on se dit que nous pas agir mais population pas elle et c'est en réalité population attend toujours maintenant désarticulation qui gagne entre gouvernement avec conseil présidentiel là
c'est l'imbra la bodie ensemble avec ou là. Quand que vous avez l'impression que chacun fait affaire par eux, sous bon par eux, et non matin, le ministre a rencontré l'état-major l'armée, après ça, moi, c'est passé 24 heures après, CPT par rencontrer même l'armée ça. Vous avez l'impression que c'est deux pouvoirs qui n'ont seul pays, quand chacun a gagné agenda par eux, chacun a fait barrer par eux. Par contre, synergie entre, entre deux pouvoirs ça. Est-ce que vous avez dit ça a contribué tout à manque de résultats, nous avons assisté là, bon côté pouvoir exécutif là, comme parti gouvernement en particulier? Pas dramatiser une situation comme ça. Du tout. Si aujourd'hui on désigne gouvernement avec CPT, pas de cafon budget rectificatif, on est d'accord avant. Si on désigne gouvernement avec CPT, pas de cafon budget, que vous mettez d'accord pour que toutes 14 ministres soient moyens, 10 ministres qui sont dans le secteur, plus 4 ministres qui sont dans le périmètre direct, que pour nous, ça a été choisi de proposer, pas choisi, non, de proposer, on a dit oui, laissez-le bloquer. Le ministre avec CPT, d'autres, ils ont fait deux budgets dans quatre mois. Ils ont mis en place un conseil électoral provisoire, bien sûr qu'il manquait deux membres qui méritaient avancer. Ils ont mis en place et comité pilotage de la conférence nationale, là, qui c'est seulement le gouvernement gagné là, c'était fait élection. Même tantôt, M. Maniga, ministre pendant plusieurs fois, on est très bien. Élaboration en budget, ce n'est pas ça qui a résolu la crise. On a toujours des budgets, et toujours des budgets. Et toujours ça qui passe. Ce n'est pas ça qui résout la crise là. Le budget, c'est expression, nous avons besoin. Après ça, il y a un plan d'action. Ce n'est pas ça que je dis. Mais si tu as une impossibilité de collaboration, nous n'avons pas de budget. Nous n'avons pas de budget en conseil des ministres pour faire ça. Il m'a dit qu'il s'est fait élection en premier jet du conseil électoral là. Le comité de pilotage a mis en place. C'est mandat ça nous gagne. Et là, on avance. Maintenant, je dis que dans pile où il y a un cap circulé, dans pile parole cap dit, sous impossibilité de collaboration, moi-même, moi, je suis capable de dire, pas aussi dramatique que ça qu'a parlé. Et normalement, nos conseils exceptionnels, où il y a 9 conseillers, où il y a un gouvernement qui choisit, donc, je me rappelle, chiffre là, 10 ministres sur 14, c'est avec le secteur. C'est 4 mois, c'est 4 mois de mise en place, oui, oui. Donc, façon qu'on travaille. Mais c'est comme ça, je me souhaite. C'est pas que nous dramatisons la situation, relation entre exécutif là avec le gouvernement, mais. Bah, y a des vengeurs, nous parler avec des proches premiers ministres, nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous conflits qui y a entre deux groupes. C'est depuis juillet, oui, avec le voyage premier ministre à Washington, et où il y a un gros problème entre primature avec CPT. Et il s'est accentué avec 79e Assemblée générale des Nations Unies, hein, côté que pour vous pouvoir CPT a estimé que y a humilié, y a boycotté, et nous dit ouais ça qui passé avec Leslie Voltaire et dans réunion qui t'a fait avec le président brésilien et premier ministre, y a empêché, y a interdit l'accès pour d'entrer dans un compte malgré les pas invité et d'annoncer annoncé que peut-être qu'il va le couper depuis là ça. Nous voyons que relation y a très tendue entre primature et CPT. Ça nous est pas salié, M. Maniga. Bon, ça est pas menti. Ou on va vous regarder ici. Bon, même pas ces questions correctes et bien explication. C'est depuis après 79e Assemblée et les Nations Unies hein, et qui permettent que ça va passer là, je veux dire, qui fait des clics là. Peut-être qu'il doit exister déjà. Mais c'est ça qui vient permettre que APCA les pété en bas de tout le monde. Même nous devons rappeler, depuis le Gary Coney, t'as le rencontre Washington, l'elle te retourne, il te ramené à l'autre pour te dire, faut pas oublier, mais qui fonctionne, mais qui responsabilité, qu'elle gagne, et comme chef du gouvernement. Situation était déjà annoncée. Et pour l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, le film que cacophonie, entre président, ministre, qui est-ce qui doit le représenter, mais bah, la fin gâtinette, bah, la fin prend en l'autre direction, vient prendre l'autre en pleine situation. Exactement. On nous est pas salié, M. Maniga. Moi, pas répondre à une question, ça, mais c'est dommage, Josien, hein, que rien ne soit plus s'apparenter sous sécurité, hein, parce que je garantis que tout le temps, premier ministre avec gouvernement, c'est sous chantier, ça, yo, chantier sécurité, ça n'est pas pour nous faire pour conférence pilotage de la marché, ou élection faite, c'est ça qui intéresse la population. Si je veux ça. En même temps, comment avancer sur le chantier, on va évoquer là, yo. Lorsque même communauté internationale reconnaît ça, nous mettons de côté intérêt collectif là et nous priorisons l'intérêt personnel. Pourquoi avancer lorsque entre deux pouvoirs, il y a une instabilité entre deux pouvoirs, professeur Maniga, vous comprenez ça très bien. Mais justement, c'est question ça que m'a répondu. Moi, c'est dommage que ces questions ça que m'oblige de répondre matin, mais en particulier parce que, un,
m'a pour dire bon côté dramatisé. Deux, sous ça qui est évident et on parle très clair, ou sont dit tête pas tomber, donc ça veut dire remaniement en particulier, pourquoi que pour le ministre ba réponse là clairement déjà. Et on nous fait deux points fondamentaux. Premier point qui est fondamental là, je voudrais rappeler déjà, sous dire que gouvernement s'il n'a fait bilan 4 mois ministre exécuté 2 mois exercice financier sur 4 mois. Donc lors du premier aspect ça, quel que soit cas de figure, on garder qui rapport et qui bilan capable fait jodi en condition ça pour dire qu'on ministre li performant ou li pas performant en 2 mois d'exercice d'action d'exercice financier sur les 2 mois. Ceci dit, c'est pas moi-même comme chef cabinet qui prend décision ça. Décision ça appartenu chacun en ce qui les concerne Conseil des ministres, m'a parlé de en particulier CPTR, Conseil présidentiel avec premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté ou remplacer ministre. C'est pas moi-même qui a fait qui opinion pas sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté 2 mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, je ne recevoir notre premier ministre aucun rapport qui évaluait de manière claire, avec nombre pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que OCAG la prévoit, qui c'est eux-mêmes qui l'a capable de superviser action exécutive là, et faire des recommandations. Et nous n'avons aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre. Et même dans le contexte, il y a un Parlement, côté Premier ministre, il y a une déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois, capable d'éviter au ministre Vintandel, s'il pas satisfait, convoquer le ministre, s'il pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui est basé sur un texte, sous qui vient au ministre en dehors de l'exécution de feuille de route, nous ne pouvons pas parler de ça du tout. Nous avons un contexte matière politique. Et en matière politique, le Premier ministre a fait 11 semaines que lui écrit CPTA, lui dit très clairement, ma propre ça qui était dit dans le texte, là, si d'aventure, je veux dire, CPTA font l'autre estimation, ils changent l'idée sur le fait que le ministère qui doublait, qui fusionnait, ce n'est pas comme bon l'idée, disposé pour discuter de ça. Donc, on pense que ça clair dans l'interprétation du gouvernement, ça clair dans l'interprétation du Premier ministre, pour manier son bagage normal, ce bagage naturel pour capable de mettre un gouvernement à flot, c'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, qui permettent comme mécanisme pour permettre au gouvernement de faire toute négociation possible pour que nous avancions sur le chantier qui est plus important. Et que nous nous avons dit ça très clairement. Sauf que ce n'est pas ça, c'est pété à rappeler, non, comme remaniement. C'est moi-même qui peux interpréter, je n'ai ni titre ni qualité, je pense que le ministre. Bonne information sur pas connaît. CPTA a besoin de changer. Et ministère qui double, par exemple, après le ministère intérieur qui est premier ministre en tête, il a besoin de mettre un ministre pour continuer dans un ministère intérieur collectivité territoriale. Planification qui est ministre économique, il a besoin de mettre un ministre pour continuer dans la planification. Et affaires étrangères qui a géré tout Mavé, il a besoin de changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans Mavé, il a besoin de tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique. Il besoin mettre tout qui va doubler, il besoin mettre tout, il besoin changer tout ministre à défense. C'est ça même CPTA dit nous. C'est pas simplement changer ministère qui doubler, mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que pour le ministre d'accord avec projection de remaniement ça? On pense que pour le ministre dans réunion hebdomadaire qu'il gagne avec CPO, bon finalement son dit là m'a décrit très bien donc sous 18 ministères gè la, donc ça veut dire que 18 ministres, c'est pas premier ministre qui a gagné. Et possibilité pour que les choisissent un ministre, donc tous 18 ministres, c'est ça, ma tante Odim là, c'est pour aller. Et la bataille là, et bataille ministère ça, eux qui bataille là, et la bataille là, désir. Bataille ministère ça, l'allié, et bah, c'est ça que fait Fontaine de ministre Maniga dans l'intervention là, parce que là, et il faut nous comprendre bien, et ouais, ou Benson et Jifra, bien que nous comprenons ministre Maniga comme chef cabinet, KPC, fait jouer maintenant, c'est normal, mais l'imoutre, monsieur, c'est pas en question de remaniement, mais KPT a clair, dit, mais ça a besoin, mais ça va le faire.
qu'on y a avec ça, on peut faire ça au besoin, hein, comment on comprend ça? Et bah, pour sa raison, avec Claude Joseph a tiré pied. L'élément des mines et ministre liens, ministre défense liens, pour pas participer dans aucune réunion avec, et KPT, hein, et puis qui est trois, n'est que ça, qui est inculpé là-dedans, non. Parce que bah, oublier, ministre défense, ça, c'est Claude, c'est Ede Kibaili. Et qui de l'autre ministre, avec Andy Justice, et ministre même, et Gary Kouni Bay. L'autre dit intérieur, c'est Gary Kouni qui a à la fois premier ministre et ministre intérieur. L'autre dit affaires étrangères. Bon, par contre, si c'est Gary Kouni, mais par contre, c'est Ede Beret qui Bay, mais tout le monde voit que l'autre dit. Il n'est pas pour aider, il puisse sembler avec Gary Kouni. Exactement. L'autre dit planification, bon, là encore, par contre, c'est Gary Kouni qui Bay, et c'est là où on a regardé la réalité. On regarde finance plus semblé avec Gary Kouni encore. Exact. C'est-à-dire que 3 à 4 ministères, ça, c'est purement Gary Kouni qui Bayo. Et on dit et justice, affaires étrangères, bon, finance et à la fois planification, et Gary Kouni qui ça, c'est base, et à la fois intérieur, qui Gary Kouni tout ministère. On m'a dit c'est 4 ministères, c'est comme si ministre Gary Kouni, mais qu'on y a, et avec et défense qui gagne tout ça qui gagne là dans et bah Jean-Marc Antoine Bernier Jean le monsieur hein, qui s'est aidé et ben si toutefois yo voye monsieur aller et ben Claude Joseph kounya là pas gagner dans mel ah, et c'est Claude qui va à la fois ministre non et c'est Claude qui va à la fois directeur général ministère défense. On comprend ça bien? Elle dit Claude à la fois bah, ni ministre non, ni directeur général ministère défense non. Parce que moi directeur ministère défense ça c'est mettre si ou Jean-René Sistanis, li c'est même aider. Là faut comprendre bagaille là. Elle dit et comprendre là tout et Capeta qui les même besoin ministère ça yo, suécierté et il y a des ministres dans poche déjà qui pral essayer. Imagine ou, il va gagner un ministère ici vivant à l'étranger, il va gagner un monde pour ministère des affaires étrangères, il va gagner un monde pour ministère économie, il va gagner un monde pour ministère et planification, il va gagner un monde pour ministère et défense, il va gagner un monde pour ministère justice, il va gagner un monde pour ministère intérieur. Donc Capeta lui-même pral gagner 8 ministères et monsieur si dit, il était déjà ensemble secteur ça yo, gagner 10 ministres dans gouvernement. 18 ministres, c'est ça va prendre dim là, c'est pral totalement conseil présidentiel. Exactement. On va opiner sur ça, mais juste noter ça dire. Donc 18 ministres. C'est ça au dim tout. On va opiner sur lui. Mais m'a fait exercice mathématique sur dim là parce que je veux dire 10 sous 14 déjà dans colonne CPA si on peut choisir pour problème. En même temps on dit tout. Toute direction générale 10 ministères ça c'est conseil présidentiel là qui propose yo. Donc, le Premier ministre est favorable à l'idée de ça, favorable que 10 ministres sur 14, c'est le Conseil présidentiel là, c'est 4 ça qui dans le périmètre, ça que l'on a co-choisi avec eux, c'est pour eux plus l'autre ministère qui double eux. Je constate que je n'en sors d'immenant, puisque j'ai bonne information, 18 oui. Sous 18, c'est pas dans le CPA. Je pense que je dis. Mais si c'est ça, si c'est là où nous vivons, le Premier ministre a constaté ça, et c'est pour ça qu'on commence un dialogue avec différents secteurs, parce que le Premier ministre là, sous base d'un accord politique, et à ce moment-là, si 18 yo, que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne conseil présidentiel, le Premier ministre a tiré les conclusions, les mêmes libres à venir retirer, nous, personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Je veux dire, ça me capable de dire, c'est que le Premier ministre, il voulait dans l'étiquette de transigence, 10 ou 14, pas qu'à intransigeance. Il veut faire l'étiquette, l'abgoumé, pour que l'IKMB ait tout pouvoir. 10 directeurs généraux qui sont dans le ministère, c'est le secteur choisi, ça fait déjà. Il veut faire l'étiquette de transigeance parce que le ministère intérieur n'a pas marché. Qui veut le ministère intérieur marcher plus bien, s'il n'a pas qu'à lui-même des possibilités de remplacer mairie côté mairie au pays, changer magistrat qui déjà quitté le pays, parce que tout ça, c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là, avec le Premier ministre, en plus, on a dit gouvernement bloqué, même ministre, même magistrat, pas de travail, il y a un côté magistrat, pas de travail, il y a un côté, même pas là. Mais le Premier ministre n'a pas qu'à changer ou pas tel, sans signature CPA. Le Premier ministre, ça gagne au moins, il faut proposition de méthodologie sous qui vient de pu changer. Mérite changer, renforcer ça, mérite changer, n'attend que un suivi fait pour ça avec urgence. Même bagarre pour direction générale, le Premier ministre a écrit 2 ou 3 courriers à conseiller. Il dit, en plus de toute direction générale qui est déjà changée dans le ministère, on a le plus vite sous direction générale ministère autonome. Le Premier ministre a même fait proposition. C'est un temps pour que nous changions rapidement direction générale, parce que l'entente qu'on a constaté dans l'administration, problème que nous avons dans plusieurs directions générales, nous, qui ont grève, qui ont difficulté, eh bien, c'est pas nous bloqués en particulier. Est-ce que,
Est-ce que ça, tu vas dire, là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique, là, c'est PTA qui empêche le gouvernement d'agir dans le cadre de l'agir? Ça m'a dit clairement, manque d'efficacité et lourdeur, là, et difficulté pour atterrir, gagner pour être tout, avec le fait que le ministre intérieur n'est pas capable de faire modification dans la collectivité, parce que côté un premier ministre, à travers le ministère intérieur, côté population, c'est à travers les élus locaux ou bien autorité locale. Son commune pas un magistrat. Son commune pas un quantité de membres pour le gain. Son commune pas un magistrat qui est capable de signer sur la commune. Il y en a battu avec l'autre, il va le signer. Ou mettre vos corps pour eux, par exemple, garder qu'ils s'il. Eh bien, c'est pour ça, ou qu'ils vont paralyser le ministère intérieur, parce qu'ils peuvent changer, ils peuvent changer la collectivité. Il y a des propositions faites déjà. Oui, me dit ça. Si gagne certaines directions générales, côté gagne grève, côté gagne difficulté, côté moun a plein, côté pas gagne service, nous voulons moderniser, renforcer, il y a difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça y est, justement, gagne pourrait en partie. Ça m'a dit, hein, m'pam jeté blâme sous personne, l'autre monde, vrai sujet qui intéresse la population, c'est sécurité, c'est bas résultat. Oui, pour le ministre, ça aller plus vite. Si le ministre intérieur a été plus d'outils dans le même, qui c'est collectivité territoriale, si il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le PIV. Ça va retirer, invite le ministre, il y a parlé de problèmes de difficultés par eux, invite le ministre des Affaires sociales, la parole sur le chantier social, invite le ministre de l'Éducation, la douce, ça va faire maintenant, rentrer l'école là, aller avec le gouvernement, ou avoir gagné l'autre impression de qui ça va faire et peut-être qui difficulté réelle comme gagné. C'est bien sens que le gouvernement fait. On va aborder un autre point et nous regarder les relations avec la République dominicaine et me songer gagner résolution de taper le point pour que le gouvernement d'une seule voix comprise de position. Bon, pose, avant nous, je vais dans le chapitre, bon, pose une question et rhétorique. Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Hein, comment? Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? T'as une très belle question. Bon, quitte Nice, mais répondez parce que ça. Bien que moi, Nenis, m'gete en estime que ça répond à Kaye. Parce que c'est normal. Mais on parle si mes divisions là, répondre très professionnel. Yeah, bon, oui, mais tout le monde cap garde cap, après qu'on rébellion là, qu'on bataille là, qu'on prend. Et pas c'est nous, on bataille dans l'élection, pas gagner équipe chef passé. Comment? C'est Black Metem. Est-ce qu'il y a une rébellion à CPTA? Ça fait troisième fois, m'a dit ça. On ne peut pas dramatiser le sujet ça, parce que c'est pas le cas. Le Premier ministre n'est pas interdit d'accès à la villa d'accueil ou siège du conseil présidentiel de transition. Il fait réunion hebdomadaire chaque vendredi dernier, il était là. Une semaine, comme c'est congé, malgré congé, presque certains qui avaient le moyen plus haut. Je ne t'attendais encore. Président Voltaire en mission à l'étranger, le tournait. Le Premier ministre a pris un contrôle, pas qu'il y a une rébellion, le que le Premier ministre, pas un mot fort, pas qu'on le. Un conseiller présidentiel, bah même si c'est invité, non, convoqué pour le ministre, il n'est pas automatiquement présent. À la ville d'accueil, que c'est la CAIO, que c'est et dans n'importe quel autre bureau, le ministre est toujours disponible. Et semaine ça, pour information, il rencontre trois cas conseillers présidentiels, que ce soit, non, mais si c'est pas dans la ville d'accueil, c'est côté où invité, participe. Pour ça, très clair. Et on regarde qu'on y a là, point qui est pour avec la République dominicaine. C'était un point entre guillemets qui était bas pour. Et puis, il y a un monde qui a fait qu'on ait dit, eh bien, PM, t'es allé là, quand il y a le bloc festival, il y a pas eu non? Oui, donc, c'est un peu plus. Alimentation qui est pratique. Mais il y a un peu plus. Pratiquement, tant que j'en laisse-moi dire, vous avez dramatisé Bagala ou Bali sens, vous estimez qui a fait affaire. Mais qu'on y a, est-ce que moi-même, moi j'ai capacité pour me dire ça qu'il y a à dire, les pas la vérité. L'un qu'on est, pour le comportement qui est là, en même temps, et CPA, ou bien CPTA, avec conseil présidentiel tradition, pas rien, qui vous dit qu'il peut-être qu'il paraît impossible. Avec le gouvernement, c'est ça, nous comprenons, c'est dans la durée, puisque le ministre Affaires étrangères là, il y a des sorties qu'il a fait à l'étranger, qui des déclarations qu'il a fait avec des bombes CPTA, nous parler, nous dire, pas au courant de une déclaration, ça, et que le ministre Affaires étrangères a fait. Et si on a critiqué Mme Dominique Comprendadjo, il mettait le service total de Premier ministre, alors que Mme CPT a dit diplomatie, c'est affaire par eux. Donc, le ministre a supposé affaire par eux. Peut-être que déjà, dans le choix, Mouni a mis dans l'affaire étrangère. Peut-être qu'il y a un problème dans le niveau ça, si ce n'est pas CPT qui fait choix.
sous côté République dominicaine, justement, on connaît, tu as une résolution, le gouvernement t'est préparé, mettez-vous d'accord, voter pour que tu soumettes li par le Conseil présidentiel là en façon pour République d'Haïti te gagner un seul discours par rapport à ça et déportation massive République dominicaine a fait. Et il y a des éléments de langage, il y a des points forts qui étaient dans résolution ça, qui des condamnations claires nous t'ai fait, par exemple, nous t'ai qualifié de raciste, de discriminatoire, de xénophobe et ça République dominicaine a fait. Et non, on ne peut pas parler de résolution ça encore. Le bloquer dans CPTA ou bien c'est nous-mêmes qui ne pas soumettre le CPTA? Alors, justement, quitte à son point, et je ne parle pas de parole ministre des Affaires étrangères là, je pense que le cabinet est très outillé pour être capable de répondre point ça, lui-même tout lui répond point en pile point, mais comme chef cabinet pour le ministre, on est capable de dire dans nos paroles que ministre Dominique Dupuis n'a jamais évité aucune invitation formelle que vous avez fait. Moi-même, je suis au courant que même vous dimanche, sous invitation, la veille de n'importe qui président, de passer la lacaille. Ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire, pour être capable de faire dossier avancer. Il n'a pas dit, me dit ça, mais je prends responsabilité de dire ça. Même dimanche, ministre Dominique Dupuis, disponible pour la caille CP, pour la, justement construire éléments de langage. Ceci donc, dit, contrairement ce avec ça, ça m'a CPA dit moi, et que sont-ils fait, ils n'ont pas au courant de voyage, ils n'ont pas au courant de déclaration d'affaires, et c'est pas d'avril. On est où on fait. Oui, mais on est pas où on fait. On est capable de confirmer ça auprès de la ministre. Moi-même, je suis capable de dire parce que je suis non seulement ministre, mais ministère là, en ma qualité de chef de cabinet, et je connais que j'ai un pile, j'ai fort qu'à faire pour adresser crise avec République dominicaine là. Ceci dit, j'en tiens, conseil présidentiel là, de par une compétence que la loi Bali, constitution Bali, c'est clair que il y a leadership sous orientation politique sous République dominicaine là. Et à ma connaissance, moi pas quoi que le ministre des Affaires étrangères violé ou en contradiction avec aucun document écrit, avec aucune orientation formelle que conseil la tabali, parce que moi-même, je n'ai jamais reçu une copie de ni orientation formelle, ni document formel de politique vis-à-vis de la République dominicaine, que conseil présidentiel l'a avoué par le gouvernement, l'a avoué par le ministre, et que le ministre en contradiction avec. Et c'est vrai, conseil gouvernement, dans sa qualité avec toute compétence que lui gagne comme conseil gouvernement, il part même voulu que ce ministre des Affaires étrangères qui était porté dossier ça pour col, le ministre a souhaité que résolution que n'a pas prendre pour nous proposer conseil présidentiel là, justement pour que lui-même capable de nourrir réflexion par comme c'est lui-même qui supposait dire publiquement et annoncer publiquement orientation formelle sur le dossier ça, pour respecter justement que toute responsabilité que vous avez, ça la loi au point, nous fait un argumentaire. Nous discutons de lui en conseil de gouvernement. Il est même, d'ailleurs, nous rendu public en partie, qui allait joindre formellement le conseil présidentiel là. Et me certain, au prochain conseil des ministres, Haïti, l'État haïtien, conseil présidentiel là, qui justement a une responsabilité, qui a un leadership dans sa gain courant avec. Et qu'on a désir, pour nous finir, on va regarder pour nous comment on conclut même beaucoup de ports, ben avancer avec des vitesses, on est capable de mettre bout. Moi, je pense que Nessie Maniga, malgré tout mauvais et qualité que M. Kap gagne en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, avant ça, M. Fela, il est très méthodique. Et ouais, monsieur, son est capable de mettre des points pour gagner une réconciliation entre deux têtes exécutives là, qui cabrent, gagnent, et aller mieux dans la gouvernance que nous avons là. Et si vous attendez, vous avez qu'elle montre ensemble avancer qui a fait entre eux, c'est ensemble. Parce que dire que le premier ministre, que le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de problème pour aller rencontrer ces pays. Qui est-ce qui a fait mentir, qui est-ce qui s'insère dans ce qu'il a dit, c'est la question qui était. Et nous-mêmes, nous croyons que Nesmi Manigadil, la population pas satisfaite, pour 4 mois, parce que il y a pratiquement après tant seul bagaille qui se résout problème de sécurité, c'est grandi qu'elle a grandi. Dernier soufflet que la police prend là, c'est cabaret qu'elle prend. Gouvernement, c'est pas seulement la police, c'est tout gouvernement qui prend soufflet là. La police, il vient dans l'espace, il fait vidéo, il fait photo, et puis, bandit ou aller avec uniforme sur eux.
zam nan men yo, yal krasé espace la. Yo voye un message pour dire que pays a pas dirigé, pays a pas gouverné, pays a pas gen force lòt dadan. Vin mette la police dans situation très difficile, même pour publier information sur compte officiel par rapport avec un fly qui a été fait semaine passée à la situation. Merci Desi Benes, merci tout le monde à croiser dans la journée dans l'émission. Parlez-vous changement avec collaborateur. Merci Desi, à croiser mon frère. Bon la journée Blaise, bon la journée tout le monde à croiser dans la journée.